Yacoub Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau yaoi. Et je vais te parler de celui-ci, je te mets le titre là. Donc ce yaoi, le titre est ici, est en deux tomes. Nous sommes sur un manga qui est donc des éditions Bozov dans leur collection Anna Collection. L'œuvre est dans le genre romance étrange vie. La série date quand même de 2014 au Japon et de mai 2016 en France pour son premier tome et mars 2018 pour le deuxième volume. Et en ce qui concerne l'œuvre, elle est H-conseillée aux 16 ans et plus. Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Moegi Yuke, qui est un mangaka qui a d'autres œuvres disponibles en France, dont une que je t'ai déjà présentée, qui est le manga Nouveau Départ. Donc je te mettrai bien entendu le lien des vidéos où je parle de ce manga en i et en barre d'infos. Et à savoir, donc en ce qui concerne les deux autres œuvres de l'auteur, je compte les lire. Voilà. Ce qui est donc de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais tout simplement que bon, elle est pas ouf, ça c'est sûr. J'ai eu du mal au début, je dois l'admettre, mais au final on s'y habitue et puis ça colle à peu près à la série. Pour ce qui est donc de mon avis sur le manga, donc ce que j'ai apprécié c'était déjà l'originalité du scénario, parce que là aussi comme pour Nouveau Départ on va être sur une différence d'âge, mais la façon dont c'est abordé l'histoire et le développement de l'histoire fait qu'elle est différente des autres. C'est-à-dire que déjà qu'on va suivre des coiffeurs. Oui. Ouais. C'est déjà un truc qu'on n'a jamais vu, en tout cas pas moi, au niveau des métiers. On va suivre un ancien gars qui était dans une bande de motards. Donc ça aussi, ça change. On suit les aventures donc d'un jeune homme qui était encore avec des études et qui traîner avec un gang de gars, donc avec des motos, etc. Pour ça, donc déjà, ça change énormément. En ce qui concerne aussi le scénario, ce que j'ai bien aimé, c'était tout simplement qu'on les retrouvait d'abord actuellement et on nous développe après comment ils se sont rencontrés, ce qui s'est passé, etc. En fait, ils essayent de mettre tous les deux cartes sur table, comme on dit, pour expliquer en fait tout ce qui se passe et tout ça, pourquoi ça ne va pas entre eux, pourquoi il y a ce fossé en fait entre eux. Ils s'expliquent, ils se racontent en fait ce qui s'est passé plus jeune et on découvre tout ça à travers le manga. Je trouve tout ça plutôt intéressant. Donc on est comme sur un manga qui est très on est dans le présent mais on est beaucoup dans le passé, on revient dans le présent pour comprendre certaines choses, on retourne dans le passé avec des explications, etc. Donc il faut arriver aussi à aimer ce genre de scénario. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on voyait très clairement, en un claquement de doigts, en une image, on voyait très bien qu'on était soit dans le passé, soit dans le présent. Donc ça déjà c'est plutôt pas mal parce qu'on voit que l'auteur a suggéré sa qualité de dessin et sa façon de dessiner ses personnages. Donc il y a deux tomes. A savoir que tu peux très bien te contenter de la fin du tome 1 et ne jamais lire le tome 2 si ça t'intéresse.
Donc ça, c'est déjà à savoir que tu n'es pas forcément obligé de lire le tome 2. Par contre, si tu veux développer un peu plus l'histoire en profondeur, si tu veux découvrir un peu plus les personnages, si l'histoire t'a plu et si tu as envie de découvrir ce que deviennent tout le monde, c'est-à-dire même le petit frère. Ouais, même le petit frère, on va nous le développer et tout ça. Et si tu as envie de découvrir vraiment un peu plus qui sont et avoir de nouvelles aventures, et là par contre, on est plus dans le présent que dans le passé. Et bah, le tome 2 est important et le tome 2 est vraiment très 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 intéressant. Donc personnellement, j'ai adoré ma lecture, ça a été juste un méga coup de cœur. Donc oui, je te conseille ce Yaoi. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter et pourquoi pas partager la vidéo. Pense à me rejoindre sur les réseaux sociaux et aller voir dans la barre d'infos pour avoir toutes les informations. N'hésite pas à me mettre en commentaire d'ailleurs si tu connaissais ou pas cette œuvre. Est-ce que je t'ai donné envie de découvrir un peu plus cet auteur ou pas? Et si tu as envie de me donner ton ordre de préférence en ce qui concerne les autres œuvres disponibles de l'auteur, je te mets les liens des noms des mangas et des résumés dans la barre d'infos. Sur ce, à bientôt!